bon. Et ça vient, mon Louis, là, parce que moi, je l'aurais dirigé à son chum et la compagnie des soldats. Ouais, c'est pas mal le constat que je devrais lui faire, là, mais c'est ça, là, moi. C'est comme une première. Pour moi, là, je vois pas ce qu'il va pouvoir faire de mieux qu'elle. Ouais, le convoi de la balle est à coup de joie présentement, c'est pour ça qu'elle sait pas trop quoi faire avec ça. On t'écoute. Yann, j'arrive à ce pont du lac Beauport. Là, c'est dans le quartier, quelle hauteur? Ben, je te dirais à 5-6 km de Shannon. Tu vas nous voir en sortant de Shannon, là, tu vas nous voir avant d'arriver à 5 km. Bon, mais c'est beau, à peu près une quinzaine, vingtaine. Merci, Mario. C'est arrivé à la même place qu'hier soir. Oh, j'étais pas au courant de l'accident hier. Ouais, dans le bout du 303, là, bon, genre quartier, il y a un gars qui est rentré dans un poteau. Là, il a mis breakdown à peu près à moitié de Shannon. Ah, ben là, il s'est éclairé vers le bois, fait que pour le moment, ça ralentit pas pantoute. Bon, mais c'est bon, fait que je vais débarquer dans pas long. C'est bon, merci. Officers report a criminal resisting arrest in the Alamo Sea. Eagle 6 engaging suspect.
in Santiago Mountain Range. Copy, that's the code 2 on our way. Reporting a criminal resisting arrest in Grape Seed. Robert Kish. Allez, écoute. Oui, il y a quelqu'un qui a appelé sur la ligne CDT pour me rejoindre, c'est Bianca. Donc, je suis en train de faire. Backup required for a suspect placed under arrest in Grape Seed.